Dès l'origine de la création de la société, on s'est trouvé face à des marchés qui sont colossaux. Donc pour adresser ces marchés, on avait besoin d'intégrer des pools d'acteurs, des réseaux de connaissances et d'acteurs sur ces marchés internationaux. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie internationales était typiquement une sorte de nid vers lequel on est naturellement allé. Après, comme nous étions en création, ce réseau a été à notre écoute techniquement, mais aussi stratégiquement. Ils nous ont permis de hiérarchiser nos cibles. Ils nous ont aidés à identifier prioritairement les pays dans lesquels nous avions une opportunité rapide de création, d'ouverture de marché et de création de valeur. Donc ça a été quelque chose d'essentiel. Et on est sur cette stratégie qui a été définie avec la Chambre de commerce. Ils nous ont ciblé un événement qui était un salon de professionnels internationaux sur le secteur de l'oil and gas, qui nous avait déjà permis de rencontrer les principaux acteurs et surtout de nous donner le feeling avec lequel on était capable de rentrer sur le marché saoudien. Concrètement, cela a abouti à un gain de temps absolument colossal, puisque ça s'est fait en quelques mois. Concernant le Brésil, CCI International Brésil nous a permis de faire des rencontres. C'est un pays qui est très ouvert, le Brésil, et c'est un pays qui est très fermé. C'est-à-dire, c'est un pays dans lequel on arrive très facilement à rencontrer des gens, mais dans lequel l'ancrage des liens, notamment des liens commerciaux, est très difficile.